Les rats, les rats, les rats. Pourquoi je fais ce petit commentaire? Parce que je veux répondre à une personne qui m'a fait un commentaire sur les rats. Voilà, je vous en fais la lecture et ensuite je vais réagir pour vous donner une réponse qui, j'espère, vous fera réfléchir un peu plus par rapport à la gravité que c'est de, enfin, au grave dommage que ces rats peuvent engendrer. Voilà ce que la personne m'a dit. Il y a 2 heures aujourd'hui, donc nous sommes le 21 novembre 2021. Voilà ce que la personne me dit. La même chose, donc en parlant de, parce que j'ai fait ce qu'on appelle un bouclier viking pour piéger les rats, en fait, et les rats meurent noyés. Bon. Voilà ce que la personne m'a dit. La même chose, sans les tuer, ce serait mieux. C'est horrible de mourir noyé. Ils ne viennent que pour manger, les pauvres. Capturez-les et relâchez-les ailleurs. Pourquoi les tuer? Je trouve ça monstrueux sans pour autant être une mémère à bestiaux. Je ne pense pas que la cruauté soit nécessaire. Et vous l'avez fait sans scrupule plus de 30 fois donc. Leur cadavre ne vous apitoie pas? Étrange. Donc voilà ce que la personne m'a dit. Alors, vous avez raison de réagir. De réagir selon votre ressenti, votre compassion envers ces animaux. Maintenant, voilà ce que je vous réponds, voilà ce que je vous ai répondu dans le message. Je comprends votre point de vue. Toutefois, comme je l'ai dit dans d'autres commentaires, je ne fais pas cela de côté de gaieté de cœur, bien au contraire. Ces mêmes rats qui ne viennent que pour manger, comme vous dites, vont ensuite tuer nos bébés pigeons en les dévorant par l'arrière. Et ça, c'est une réalité. Ce qui est horrible. Ou bien même, j'ai même vu qu'ils les avaient emmenés dans leur terrier pour là aussi les dévorer tranquillement tous ensemble. Donc vous imaginez le petit bébé pigeon, qui est déjà gros, hein, il était déjà gros, il faisait plusieurs centaines de grammes. Eh bien, ils l'ont quand même emmené dans leur terrier. Et ça, c'est grave, c'est cruel aussi ça. Certains pigeons adultes. Les pigeons adultes, alors que tout à l'heure je parlais de bébés pigeons, sont aussi attaqués et deviennent de ce fait-là sanguinolents. Les pauvres, ils sont très blessés. Et là, vous remarquez que le rat n'a pas de scrupules, il n'a pas de compassion envers le pigeon. Il mange pour manger. Bien sûr, il ne fait pas ça pour la cruauté, mais n'empêche que de notre point de vue, c'est cruel quand même. Bon. Donc voilà pour les adultes. Les cailles également, nous avons des cailles également qui ont été mangées par l'arrière. Et ça aussi, c'est horrible. Et ces cailles continuent à vivre tranquillement quelque temps en ayant une partie du corps arrachée et pendant. De plus, et ça c'est grave aussi, on les entend dans les murs de la maison où ils risquent de mettre le feu en grignotant les fils électriques. Ils galopent dans les combles la nuit, ce qui nous empêche en partie de dormir. Et ça c'est une réalité, on les entend dans les murs. Donc ça veut dire qu'ils ont fait des galeries dans les murs. Et ça, c'est dangereux également. D'autre part, quelque chose que je n'ai pas dit dans le commentaire, j'ai oublié de le dire, on a un peuplier, nous, à côté, ils ont colonisé le peuplier. Et ça veut dire qu'ils mangent, ils grignotent le peuplier de l'intérieur, et le peuplier peut tomber sur les maisons d'à côté, ou tuer une personne, ou blesser une personne. Et là aussi, c'est dangereux. Et les rats, pour ça, n'ont pas de compassion, n'ont pas la réflexion de dire le peuplier peut tomber, c'est dangereux, c'est grave, ça peut être grave. Vous voyez? Donc, alors, que feriez-vous à ma place? Les relâcher ailleurs? Oui, mais comment les attraper vivants sans se faire mordre? Car ils sont adultes, très agressifs. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce propos-là un de ces jours. Donc ils sont porteurs de plus de bactéries pathogènes qui sont très dangereuses. Donc si vous attrapez cette maladie, si vous faites morne, il faut aller immédiatement voir le médecin pour avoir une antibiothérapie. Donc ces adultes sont très agressifs, surtout les mâles. Hein, ils se plaquent sur la cage pour essayer de vous agresser. Et là, je répète que je vous ferai des vidéos un de ces jours. Alors voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple et je sens bien que chez vous, il n'y a pas de rats. Donc vous, la personne qui m'avait écrit, et je vous comprends, je vous en veux pas de penser ça. Vous avez raison, c'est cruel, c'est de la cruauté, je suis d'accord avec vous. Bon. Maintenant, donc, je pense que vous n'avez pas de rats chez vous, sinon,
Je pense que votre ressenti par rapport à ce mal qui est fait par ces bêtes attendrissantes, mais absolument dépourvues de compassion, eh bien je pense que vous réfléchiriez à deux fois. Hein, évidemment, quand on n'est pas face au problème, on ne peut pas le comprendre, le problème. Bon. Proposez-moi dans ces conditions-là une méthode, peu onéreuse évidemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous proposer des dératisations, etc., qui sont entre guillemets absolument inefficaces et qui vous prennent de l'argent, parce qu'on a essayé plusieurs choses hein, avant. Hein. Donc ils nous prennent de l'argent et finalement, ben, ça donne rien parce que les rats sont toujours là. Bien sûr, localement, concrètement, sur un court laps de temps, oh, ils vont vous relativement vous éliminer un certain nombre de rats. Mais quoique, la conformation de notre maison est telle que, et de notre jardin est telle que, c'est pas facile. Voilà. Moi, je connais bien les endroits où les rats vont, leurs terriers, etc. Et c'est pour ça que alors j'ai fait le bouclier viking, comme vous avez pu voir dans la vidéo, mais je mets aussi des pièges en grillage. J'essaie de les combattre de manière naturelle et biologique, entre guillemets, sans mettre de poison, etc. Et ça, je pense que c'est déjà important. J'aimerais bien les relâcher. Et d'ailleurs, une petite rate, je vous ai fait une vidéo où je fais quelques petites expériences pour voir si la jeune rate, donc qui est très jeune, elle a un mois ou deux, est agressive ou pas face au contact d'un bâton ou d'un doigt. Bon, regardez la vidéo, vous allez voir que cette petite rate, c'est vrai, n'est pas méchante. Elle cherche juste à se protéger contre le mal qu'on pourrait lui faire. Bon, évidemment, quand on voit cette petite rate, on peut avoir de la compassion et dire, elle est toute gentille, toute mignonne. Et d'ailleurs, cette rate-là, et je vous rejoins, je l'ai relâchée dans la forêt. Mais dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Bien, elle n'a aucune chance de survie. Elle va se faire attraper, se faire manger. Vous voulez que je la mette où? À 100 mètres, à 3 km, où elle va aller dans une autre maison pour faire des petits, parce que les rats cherchent les rats. Bien sûr que si je la lâche un petit peu plus loin, ailleurs que dans la forêt, par exemple en ville, etc., bah, bien sûr que la rate, elle va aller trouver d'autres rats, et elle va s'intégrer et elle va avoir des petits. Et le problème ne sera plus le problème chez moi par rapport à cette rate-là, mais sera un problème chez d'autres personnes. Donc ça, je n'ai pas le droit de lâcher des rats là où ils peuvent aller embêter les gens ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est pas facile. Alors proposez-moi une méthode peu onéreuse pour faire disparaître de chez moi les rats, et alors soyez bien conscient du fait que je vous remercierai vraiment sincèrement. Voilà. Alors merci pour ce partage et bon courage, mais sachez que je ne fais pas cela de gaieté de cœur. Hein, c'est pas avec plaisir que j'ai construit quelque chose. Si j'ai mis cette vidéo sur le bouclier viking, c'est pour aider les gens qui sont face à des difficultés que les rats peuvent imposer, parce que les rats s'imposent. Ça, c'est depuis très longtemps le conflit entre les humains et les rats. Les rats vivent à l'abri des humains. Ils vivent en parallèle aux humains. Si vous avez une maison, soyez certain qu'il y a des rats autour de vous. Voilà. Alors après, c'est quoi la solution que je pourrais? Ben, c'est déménager, ne plus avoir d'animaux. Plus de chiens, plus de chats, plus de cailles, plus de pigeons, plus rien. Et à ce moment-là, oui, bien sûr, je n'aurai plus à détruire et à éradiquer les rats. Mais voilà, notre choix de vie, ce n'est pas celui-là. Jusque-là, les rats ne nous embêtaient pas, mais depuis quelque temps, ils pullulent, et ça, on ne peut pas l'admettre. Voilà, ils font du mal. Croyez bien qu'ils font du mal. Sans le vouloir, parce que leur besoin, eux, c'est de manger. Mais bon, manger, il y a manger et manger. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait dire. On pourrait débattre également sur les viandes dans les supermarchés, sur les vaches qui sont abattues de manière horrible des fois, sur les porcs, les cochons, sur les poules, etc. Et je suis d'accord avec vous, c'est tout un problème de société, c'est un problème sociétal, on va dire. Alors, je suis content, en fait, que vous ayez fait ce petit commentaire. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prise dans ces problèmes avec les rats. Les rats, oui, mais à condition qu'ils ne pullulent pas trop. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour le partage. Merci pour ce commentaire et je me voyais obligé de réagir. Voilà, à très bientôt et j'espère qu'un jour on se prendra un petit café quelque part.